Salut à tous les potos, c'est Maxter, j'espère que vous allez tous très bien les gars, pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur H1Z1, c'est encore un gameplay sur H1Z1. Et oui, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais faire beaucoup de vidéos sur H1Z1 suite aux nouvelles mises à jour qu'il y a eu et à l'achat de ma nouvelle carte graphique qui est la Nvidia MSX GeForce GTX 960. Il me semble que c'est un modèle assez haut de chez MSI, m'a coûté quand même 360 boules sans indiscrétion. Et donc aujourd'hui je tenais à faire ce test de vidéo. Comme je vous avais dit que j'allais recommencer les vidéos en masse, ben, je vais vraiment les recommencer. Je comptais attendre un petit peu pour bien mettre en place ma config. Donc maintenant j'ai plus aucun lag et je peux stream sans souci. Et donc c'est ce que je compte faire. Donc là on repart pour une battle royale, c'est le number 2, le numéro 2 sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère qu'on ira quand même un petit peu plus loin que dans ma précédente vidéo. Donc ce que je vais commencer, c'est par déchirer ça. On va faire des bandages, ça aussi. Tac tac, bandage. Voilà, j'ai 6 bandages, c'est déjà ça. On attend plus ou moins 20 joueurs la partie qui nous sera, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout. Ok. Bon. Bon, moi ça le mérite d'être clair. Hein. Oh, pas pur. Et donc nous voilà dans l'accueil d'avant-partie qui va nous propulser dans la map. Donc j'espère que je me ferai pas buter trop vite comme dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit. Alors, où est-ce que je spawn? Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'aime bien le spawn quand il n'y a pas trop de gens. Mais alors, vraiment pas du tout, toi. Tu vois le délire ou quoi? Il y a des barrières qui vont me séparer des autres gens, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et je spawn juste là, c'est bon. Alors, là. Ouvre la porte, connard. Spawner dans sèche-linge. Ouais. Il faut qu'il y ait des armes ici, s'il vous plaît. Et je vais me retrouver avec une pipe. Putain, oh quel con. Bon, je suis déjà assez bien équipé pour faire une bonne petite partie. Putain, mais y'a rien. Oh putain. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici planqué toute la partie et je vais bien profiter pour tirer une balle dans le premier qui rentre. Donc je vais mettre comme ça, je vais mettre la vue sur la première personne. Ouais, je sais même plus c'est quelle personne. Et le premier qui rentre, je fous une balle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre là. Non. Oh putain, c'est ce que je demandais. Ah, ça c'est bon. Là, je pourrais aller faire du kill. Mais comme je suis un couillon, mais je vais pas sortir. Je vais me camper ici à la fenêtre. Mais toutes les portes comme ça, le premier qui entre, j'entends les portes. Oh, un tas de militaires, ça on peut le déchirer. Et c'est bon, ça aussi. Merci, Jackie. Michel.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre là. C'est un peu fermé. Ça aussi. Je vais aller dans l'inventaire et je vais aller déchirer pour me faire quelques petits bandages que je pourrais rajouter à ça. Donc, ça me fait quand même pas mal de bandages. On a déjà la zone toxique gaz, non pas encore, c'est super. Hop. Pourquoi on peut pas fouiller ça dans les Battle Royale alors que dans le Just Survive on peut? Ça, c'est un truc que je trouve que c'est dommage que dans la nouvelle mise à jour ils ont enlevé. Dans H1Z1, ils ont séparé le jeu en deux pour les Battle Royale et les survies. Dans Just Survive, maintenant on peut fouiller ça. Comme on l'a toujours pu le faire. Et avant, dans King of Kill, on pouvait, mais non plus, c'est dommage. Parce qu'il y avait moyen de trouver des t-shirts pour se faire des bandages, mais maintenant c'est 10 fois plus dash. Je pense que c'est plus sécurisé de prendre un pompe dans les maisons ainsi. Comme ça, le premier qui arrive, ben, une balle pour one shot. Ça, c'est dangereux ce que je fais, laisser la porte ouverte. En plus, il y a des gens qui peuvent rentrer te tuer, mais en plus, tu peux tomber malade. Si ça me paraît bien, fermer la porte. Non, non, non. D'abord, celle-là. Ensuite, celle-là. Faire un peu de place, hein. On va se remettre en vue comme ça. Ça fait pas de mal. On prend le pompe en main. Ou l'air. Le pompe, c'est plus sécurisé. Il est la zone de toxique. Mais de toute façon, il me marquera quand la zone de toxique gras sera. Toxique gaz sera disponible. En plus, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est encore mieux que je stream comme ça. Parce qu'avant, avec ma carte graphique que j'avais, bah, je déconnais. Donc je vais me foutre là. Voilà. Donc avant j'avais une AMD, si je me trompe pas, à Athlon. Je sais plus exactement quel modèle j'avais. Mais maintenant j'ai la MSI GeForce GTX 960 Nvidia. Et je dirais qu'avec OBS, en 15 000 bitrate, une qualité 10. Cam et overlay bien sûr, hein, c'est plus simple que montage. Et donc un quad-core. Donc du coup je suis en train de vous révéler toute ma config, donc de mon ordi. Un quad-core. Pour pas dire de conneries, je pense que c'est AMD. Ou Intel. Je sais plus, je vais pas dire de conneries, donc je vais rien dire. 16 Go RAM. Et une Alim, je pense que c'est une 650 ou une 700, je sais plus trop. Mais bon, c'est quand même un bon PC que j'ai, donc pas de soucis. J'ai aucun lag pour streamer à du H1Z1. Oh, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un. Putain de merde, j'ai sursauté encore, putain de merde! Oh la rage à l'état pur, oh la rage à l'état pur, le fils de pute, il avait un pompe aussi. Bon, faudrait que j'arrête de jouer à King of Kill, parce que NCK, je vais faire un infort en arrêt cardiaque. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Et je suis désolé que ça se termine si tôt, mais je me suis fait dézinguer comme une grosse merde. Et donc voilà, je vais vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, à plus les gens, bye.